Bonjour à tous. Il y a déjà 20 ans de ça, s'éteignait une des plus grandes chanteuses du répertoire français, la Dame en Noir. Bien sûr, vous connaissez Barbara, vous connaissez tous, je présume, l'Aigle Noir. Et puis, vous avez également pu redécouvrir ou découvrir son répertoire à travers des hommages qui lui ont été rendus par de grands artistes. On pense dernièrement aux albums de Patrick Bruel ou encore de Gérard Depardieu. Chacun dans leur style, chacun avec sa propre émotion, a en effet revisité les titres de Barbara. Cette fois-ci, c'est un autre type d'hommage qu'on vous propose de découvrir ou redécouvrir là aussi. C'est une vision cinématographique de Mathieu Amalric. Mathieu Amalric est un réalisateur et un acteur que l'on a pu rencontrer au Ciné-Festival en Pays de Fayence en novembre dernier, où il était venu présenter son film qui faisait l'ouverture. Barbara, c'est en effet la vie de Barbara, c'est un biopic, mais un biopic original, un biopic qui s'intéresse beaucoup plus aux sensations, aux sentiments de l'artiste et de la femme, plutôt qu'à sa vie telle qu'elle était. C'est-à-dire que vous allez avoir vos sens un petit peu en émoi, vous allez vous perdre parfois dans ce film où Jeanne Balibar incarne une actrice qui, à son tour, va incarner Barbara. C'est un peu du cinéma dans le cinéma. Les frontières sont floues parfois entre le vrai, le faux, la réalité et la fiction. Et puis ce film qui est en train de se tourner, c'est un véritable laboratoire à sensations que je vous invite à retrouver en DVD puisqu'il est sorti le 31 janvier dernier. C'est le film Barbara. Oui, c'est ça, il y a le fait de voir des films ensemble et après où ça va chez les gens, quoi. Et qu'est-ce qu'on... On discute de ça, on dîne ensemble après, il y a des conversations avec les jeunes qui découvrent le cinéma, qui du coup font aussi des interviews, et les gens disent « Ah, on ne regardera pas les films de la même façon ». Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Je ne sais pas, parce que il faut garder l'œil totalement frais quand on regarde des films. C'est ça qui est beau, il faut que le travail reste caché. On se gorge de matière pour espérer qu'il y ait un peu de suc dans le plan et que ça se dilue pas. Et c'est certain que le cinéma est un art assez dense quand même. Dites-le-moi du bout des lèvres, moi je l'entends du bout du cœur, moins fort, calmez donc cette fièvre, oui j'écoute. Sur les tournages, où à peine 3 jours, mais sincèrement, vous connaissez l'autre comme jamais dans la vraie vie. Les relations humaines sont condensées. Vous vivez toute une vie en un mois. Dans Barbara, partant du fait que j'avais envie de filmer Barbara au travail, comment les chansons lui venaient, comment les chansons naissaient. Voilà, il y a cette actrice au travail aussi, Brigitte, donc Jeanne. Il y a l'équipe, il y a ce réalisateur à sa manière, mais... c'est beau les gens au travail, c'est beau. Et c'est certain que j'ai un goût pour ça, plus que le résultat, disons, des fois. Je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur. Et nous pourrons vivre mon rêve, mon rêve. Thank you.